Paris, la ville lumière, la capitale des libertés. À l'heure où des milliers de visiteurs s'immortalisent sur la tour Eiffel, qui se souvient pourtant qu'il y a à peine un siècle, ici même, se pressaient des millions de badauds pour regarder d'autres hommes exhibés comme des objets de curiosité. De Lyon à Turin, de Londres à Hambourg, de Bruxelles à Chicago, de Genève à Paris, ce sont plus de 400 millions d'Occidentaux qui découvriront ceux que l'on considérait comme des sauvages dans de véritables zoos humains. Ironie de l'histoire, les fondations du futur musée des arts dit premier se creusent aujourd'hui sur l'emplacement de l'une de ces exhibitions racistes. Les toutes premières et rarissimes images d'Africains tournées en Europe nous dévoilent une partie de cette histoire inavouable. Le film, dont le titre original est Baignade de nègre, a été enregistré par les Frères Lumière au Jardin d'acclimatation de Paris en 1896. L'année précédente, le spectacle se déroulait au pied de la Tour Eiffel. Qu'est-ce que viennent faire des Noirs avec les femmes aux seins nus, dehors, à Paris? C'est le côté étrange. On fait une baignade parce qu'on va mettre des enfants sur une pirogue et pour que le jeu soit intéressant pour tout le monde, on jette des pièces de monnaie dans l'eau et les enfants plongent pour aller chercher ça. Ça, c'est les premières photos que j'ai achetées du Champ de Mars, n'est-ce pas? C'est l'exposition ethnographie de l'Afrique occidentale du Champ de Mars 95 et vous reconnaissez les immeubles du Quai Branly. Alors voilà encore, dans la même idée, c'est ce côté surréaliste extraordinaire où vous êtes dans la savane et il y a la tour Eiffel derrière. Venez voyager sans bouger de chez vous. La troupe vient chez vous. Vous allez voir ces sauvages. On a fait quelque chose sur les Dahoméennes extraordinaire. L'Amazone, ça fait rêver une Amazone, les Amazones Dahoméennes. Et elles ont des costumes qui n'existaient pas. Ce sont des costumes de scène. Mais les gens ne le savaient pas. On n'a pas fait venir que des Noirs. On a fait venir des lapins. Il y avait les Lilliputiens. Il y avait les Noirs d'un côté, les Lilliputiens de l'autre. Et puis il y avait la femme à barbe qui s'exhibait. Il fallait étonner les gens. Ils voyaient l'autre d'une façon extraordinaire. Et en plus, ils se rinçaient l'œil parce que les filles avaient les seins dévêtus. L'autre est toujours monstrueux. Regardez la beauté de ces personnages. Ils sont tous souriants, c'est une troupe de Hagenbeck, bien entendu. Commercienrat Karl Hagenbeck. Hagenbeck est un importateur d'animaux. Il fournit les animaux pour tous les zoos. C'est la grande époque où les zoos français, anglais et allemands se créent. Et puis finalement, il a été dépassé par son succès, plus exactement. Il importait moins des animaux que des hommes, et il y a eu un succès fou. Il y a eu des millions de personnes qui venaient, et ça a rapporté beaucoup d'argent. Du milieu jusqu'à la fin du 19e siècle, Saint-Paoli fut un quartier d'attraction avec un grand nombre de théâtres, de cafés, de musées de figures de cire et de cabarets. C'était le quartier d'attraction aux portes de Hambourg. Aujourd'hui, c'est devenu le quartier chaud très connu. Ce n'est pas un hasard si la société de Karl Hagenbeck avait son siège social dans ce centre de divertissement et des boutiques de produits d'outre-mer. D'ici se faisait le commerce d'animaux et la ménagerie de Hagenbeck qui avait bien sa place. L'histoire de la maison Hagenbeck a commencé à Saint-Paoli, à Hambourg, en 1848. Mon arrière-arrière-grand-père était poissonnier et à côté, il faisait aussi du commerce d'animaux. Un jour, il y eut un grand transport de rennes de Laponie. Et le peintre Heinrich Luttmann eut l'idée de demander à une famille de lapons d'accompagner ces rennes à Hambourg.
Quand les Lapons arrivèrent avec leurs costumes traditionnels, ça fit un véritable tabac. Ce fut le début des spectacles ethniques. C'est la première carte de visite de la société Karl Lagerbeck. Le public était très enthousiasmé. Il appréciait surtout le côté naturel de la représentation, en tout cas ce qu'il considérait comme naturel. On voulait montrer au public européen avec quelle méthode raffinée les gens chassaient et attrapaient les animaux sauvages, qui étaient ensuite livrés à la ménagerie de Lagerbeck à Hambourg. Derrière ce mur se trouve le terrain sur lequel donnait la cour du bâtiment du 13 Fördermark. Après le déménagement en 1874, le zoo de Karl Lagerbeck fut inauguré ici, et il faut imaginer le terrain plein de cages qui abritaient la ménagerie commerciale. Les premiers spectacles ethniques commencèrent ici. C'est un groupe de Lapons qui fut le premier à être présenté sur ce terrain, planifié en 1874 et inauguré en 1875. Là où des enfants jouent aujourd'hui, les exhibitions ethniques suivantes prirent leur départ pour aller en tournée en Allemagne et même à travers toute l'Europe. Sur les traces de l'Américain Barnum, l'inventeur au cirque des exhibitions de monstres, les spectacles anthropozoologiques, dira lui-même Karl Lagerbeck, vont connaître un succès immédiat et mondial. Des dizaines d'impresarios courent le Pacifique, l'Asie, l'Amérique du Sud et surtout l'Afrique, à la recherche de populations de plus en plus exotiques, jugées sauvages ou spectaculaires. Au total, ce seront des centaines de troupes, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui seront acheminés vers l'Europe et les États-Unis pour être exhibés dans les zoos, les expositions, les foires, les cirques, sur la scène des cabarets et les music-halls. Transportés comme des animaux rares, ces hommes savaient-ils qu'ils allaient devenir, malgré eux, les acteurs des fantasmes de l'Occident ? Un des premiers clients d'Hagenbeck est Geoffroy Saint-Hilaire, le directeur du jardin d'acclimatation de Paris. Pendant le siège de la capitale, en 1870, les habitants ont dévoré tous les animaux du zoo et il est en quête d'attractions nouvelles pour relancer ses affaires. Le succès de ces exhibitions ethnographiques au jardin zoologique d'acclimatation se trouve à la conjonction de plusieurs phénomènes. D'abord, le public est avide de spectacles, est avide de nouveautés et aussi avide de savoir. Et le fait de venir ici contempler la différence, c'est aussi quelque part faire œuvre d'éducation. Les savantes s'y sont pas trompées. Dès la première exhibition ethnographique, celle des Nubiens en 1877, les anthropologues, les membres de la Société d'anthropologie de Paris, sont venus au jardin d'acclimatation pour mesurer les individus qu'ils avaient à disposition. Le 19e siècle est un grand mouvement de révolution de la pensée scientifique. On est dans une période de positivisme, c'est-à-dire qu'on a besoin, on pense avoir besoin, du maximum d'informations sur tout. Et que l'information, à ce niveau-là, c'est le savoir, donc le pouvoir. Et les anthropologues se lancent donc dans cette récolte d'informations gigantesques concernant les autres populations, ce qu'ils appelaient à l'époque les autres races, d'abord pour enrichir le savoir, et en plus, pour avoir l'impression de pouvoir contrôler les autres. Le paradoxe dans la démarche anthropologique, c'est qu'en voulant instituer des classifications, une hiérarchie des races, faisait que dans la tête des anthropologues et surtout pour le public, le fait de voir des races, entre guillemets, différentes derrière des barreaux suffisait pour expliquer le sens de la hiérarchie. Il n'y avait pas besoin de faire des grands discours. Quand vous êtes d'un côté d'une cage et que vous regardez des gens qui sont enfermés dedans, même si ce sont des barreaux symboliques, à défaut d'être matériels, vous voyez tout de suite où se situe le pouvoir et où se situe le savoir. Au milieu du 19e siècle apparaît évidemment le darwinisme avec le concept de sélection. Les plus aptes sont sélectionnés par la nature pour survivre au détriment des plus faibles. Et il est certain que la logique de classification qui est entreprise à l'époque vise à instituer une hiérarchie des races.
comment passer du monde animal à l'homme. Il faut les fameux chaînons manquants, parce que n'oublions pas qu'on est très gradualiste et que l'évolution ne fait pas de saut, selon la maxime de Leibniz, et que donc il faut trouver tous les intermédiaires, en particulier entre le singe et l'homme. Et comme on n'a pas les fossiles, eh ben on va mettre les nègres. Ce qui permet à la fois de les rabaisser à la condition dans laquelle l'esclavage les avait rabaissés sans culpabiliser, et puis en même temps de justifier la théorie de l'évolution. Il existerait donc, c'est ce qu'on pensait à l'époque, des races qui seraient plus à même à être civilisées ou à assurer le développement de la civilisation chez les autres. Et là, on est vraiment dans une logique de développement d'une politique et d'une idéologie coloniale. Désormais convaincu par les exhibitions et par les scientifiques que le sauvage existe, le public est tout prêt à soutenir la course aux empires coloniaux. S'appuyant sur cet engouement populaire, les grands États européens intègrent progressivement les zoo-humains à leur discours colonial. Point d'orgue de cette propagande, les grandes expositions nationales et coloniales qui vont se succéder sans interruption à partir de 1890, à Lyon, Glasgow, Barcelone, Berlin ou encore Genève. Celle qui se tient à Bruxelles en 1897 est l'une des plus emblématiques. Nous sommes exactement sur le site où il y a 105 ans, en 1897, ont été édifiés des villages congolais dans le cadre de l'exposition congolaise de Tervuren. D'une part, il fallait démontrer à l'opinion publique belge que le Congo était rentable. Il ne faut pas oublier qu'il y avait seulement 12 ans qu'avait été créé l'État indépendant du Congo à l'initiative de Léopold II. Il fallait donc convaincre. Alors, exposition d'objets, exposition de matières premières, exposition de tout ce que le Congo pourrait apporter plus tard, d'abord au monarque lui-même et à la Belgique ensuite, également montrer qui étaient les populations qui peuplaient cette partie de l'Afrique qu'on ne connaissait absolument pas ici. Si l'on fait venir autant de gens, c'est pour une raison évidemment, une fonction idéologique. Sur les 267 personnes congolaises venues à cette époque, il y en a à peu près la moitié qui sont des soldats, la force publique. Il s'agit de montrer à l'opinion belge et internationale qu'il y a déjà des œuvres accomplies par les Belges. Par ailleurs, il y a qui sont ces habitants de ce pays lointain, etc. Alors deux groupes seront représentés fortement. Ce sont majoritairement des gens du fleuve, ce qu'on appelle les Bangala, qui sont représentent à l'époque donc un peuple réputé parfois pour sa cruauté, mais surtout pour son habileté nautique. Les Bangala qui viendront feront des démonstrations de leur talent de piroguier, mais aussi le reste du temps, ils seront devant les habitations qui ont été reconstituées pour vaquer à leur vie quotidienne, protégés d'ailleurs du public par un grillage. Il y a aussi ce qu'on appelait les pygmées, des nains, comme on disait à l'époque. À côté de ces gens qui sont vêtus, mais vêtus sommairement, qui incarnent peut-être l'idée qu'on se faisait du sauvage, parallèlement, toujours sur le même site, il y a un village qui est animé par un prêtre belge, le père l'abbé Van Imp, qui lui a un tout autre projet. Il veut montrer que les Congolais sont adaptables, civilisables, dans le cadre d'un village d'un type différent, qui ne serait pas authentique ou primitif. Il montre des jeunes enfants, garçons et fillettes, qui ont été élevés chrétiennement, qui sont habillés à l'occidental, qui sont des exemples de réussite d'acculturation. On sait seulement par des récits que certains d'entre eux étaient malades, le climat avait été absolument infect, et donc 7 des Congolais qui sont venus à Tervuren sont morts. Et cela a provoqué, bien entendu, dans la presse, des réactions assez vives. Et cela a sans doute joué dans l'opinion, les expos coloniales qui suivront, 1910 par exemple, mais n'importera plus de Congolais à montrer.
sur les grillages donc, qui entouraient ces villages, il y avait, nous disent les journaux de l'époque, des écriteaux qui mentionnaient « défense de donner à manger aux indigènes, ils sont nourris ». Ce qui indique d'une part un comportement typique de ce qu'on appelait le zoo, mais les organisateurs de l'expo, s'ils ont bénéficié de l'immense succès d'attraction, n'avaient sans doute pas en tête cette idée de foire, cette idée foraine qu'on retrouve ailleurs dans des villages commerciaux. Simplement, on est à la jonction de deux mondes, un monde qui fait de l'autre, du sauvage, une curiosité à montrer, et pour gagner de l'argent bien entendu, et un autre monde qui est un monde officiel, un monde politique, un monde religieux, qui veut convaincre son opinion publique que son action coloniale est légitime et bénéfique. Autre temps fort de cette fin du 19e siècle, les expositions universelles, dont Paris se fait une spécialité. En 1889, sur le Champ de Mars, on a construit la Tour Eiffel pour célébrer le centenaire de la Révolution. Et en 1900, pour entrer dans le siècle, la France et ses colonies invitent le reste du monde à participer à une gigantesque mise en scène du progrès. Parfaitement rodés, les spectacles ethniques d'Algériens, de Dahoméens, de Galibis, de Saint-Galais ou de Peau-Rouge, entre le jardin d'acclimatation, le Champ de Mars et les Folies Bergères, font aussi du Paris de la Belle Époque celui des zoos humains. Le tournant du siècle est à la fois un tournant majeur des empires coloniaux, c'est un fait, ils sont installés, ils sont en place, mais aussi un tournant majeur dans la lente évolution de ces zoos humains. Ils n'ont plus la même fonction, ils n'ont plus les mêmes objectifs et surtout, ils ne se structurent pas de la même manière au niveau du mental. Les visiteurs d'abord sont habitués par ces zoos humains. Ils tiennent maintenant un discours idéologique, bien au-delà du simple discours racial. On est rentré dans le temps où l'exhibition de l'autre concourt à la fois à un discours sur soi-même, un discours sur les conquêtes, mais aussi à un discours sur l'organisation du monde souhaité. Le meilleur exemple est l'endroit où nous nous trouvons, au pied de la Tour Eiffel. Les villages n'étaient plus posés comme au jardin d'acclimatation, simplement pour être vus dans une vision, on va dire, ludique et uniquement spectaculaire. Il y a une sorte d'organisation du monde. D'ailleurs, 1900 est une date aussi symbolique à un autre niveau. C'est la plus grande exposition que connaîtra Paris, 50 millions de visiteurs. Là, on tient un discours de masse. Avec les magazines illustrés, la carte postale et le film, ici un village à Chantilly tourné par les frères Lumière à Lyon en 1897, l'image devient un instrument de vulgarisation idéal. À peine alphabétisée, une immense majorité d'occidentaux découvrent des mondes totalement réinventés et scénarisés. Pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, on est passé peu à peu du spécimen à la troupe et maintenant à de véritables villages itinérants avec hommes, femmes, enfants et animaux. Dans les allées du jardin tropical de Nogent, aux lisières du bois de Vincennes, se dégradent lentement les vestiges de l'exposition coloniale de 1907. C'est ici que la perception du sauvage s'est modifiée et qu'il est maintenant devenu un indigène au service de l'empire colonial. Le temps des conquêtes est fini. En grande partie, l'empire est à ce moment-là constitué. Et se tient tout un discours économique aussi sur la mise en valeur de cet empire. D'où la présence dans la plupart des pavillons qui sont ici, des bois coloniaux par exemple, des plantes tropicales, du riz, du cacao, du café, pour montrer qu'à côté des hommes, qui sont maintenant placés sous l'égide de la France, protectrice, il y a aussi toute une richesse qui va être mise en valeur et exploitée. On a en fait deux types de muséographie présentes sur le même lieu. D'un côté, les bâtiments fabriqués, construits à l'occasion, et de l'autre côté, on a léger, les huttes, les habitations, les tentes, par exemple, des populations sahariennes.
Et le visiteur passant d'un pavillon à l'autre, passant d'une population à l'autre, doit avoir ce sentiment que d'un côté la France protège, et ses bâtiments symbolisent cette protection, et que de l'autre, sous ces braves petites huttes, ils ne sont pas protégés. Ce sont les Touaregs pour le Sahara et l'Afrique du Nord, ce sont les Congolais pour l'Afrique noire, ce sont bien sûr les Kanaks pour la Nouvelle-Calédonie, les Hindous pour les comptoirs d'Inde, les populations indochinoises et laotiennes pour la partie asiatique. D'une certaine manière, on a un empire en miniature qui est reconstitué en 1907 à nos jours. Il n'y a plus l'enclos, il n'y a plus la barrière, il n'y a plus la distanciation qui existait au jardin d'acclimatation ou chez Hagenbeck entre le visiteur et le visité. On nous montre moins l'enfermement, on donne un sentiment de liberté comme si cette fois-ci on emmenait le visiteur là-bas. Le visiteur ne sait presque pas qu'il est lui-même maintenant dans le zoo. These exhibits. Ces exhibitions n'étaient pas toujours officielles. Parfois, elles étaient organisées par des commissions gouvernementales. Mais le plus souvent, c'était des entreprises privées qui le faisaient. Il y avait en Grande-Bretagne un homme très connu qui s'appelait Imre Kiralfy. Originaire de l'Europe de l'Est, il vint en Angleterre où il fit fortune en organisant des exhibitions. Il commença au début des années 1890 et poursuivit jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il organisa des expositions à Londres, à l'Olympia et à Earl's Court. À partir de 1908, il mit en place une série d'expositions extraordinaires qui se tenaient dans un lieu qu'il avait appelé la Ville Blanche. D'autres entrepreneurs se rendaient en Afrique d'où ils ramenaient des troupes itinérantes de divertissement, comme on les a appelées par la suite. Les Français se sont révélés excellents dans ce domaine. En effet, beaucoup de ces troupes venaient du Sénégal et du Dahomey et étaient exhibées en Grande-Bretagne et en Europe. Ils faisaient également des tournées dans les villes balnéaires. Quinze jours ou trois semaines avant, la presse informe les habitants de telle ou telle localité. Dans 15 jours, un village noir arrive dans notre ville. Les affiches couvrent les murs du village ou de la ville et des alentours à 30-40 km. Des petites brochures sont distribuées. Des choses qui sont rares, ce sont des éphéméras, c'est-à-dire des petits programmes qu'on vendait à 15 centimes où on montre tous les personnages, vous saviez déjà ce qu'on allait voir. On a mis une Fatou qui est très jolie, la petite Fatou que nous allons revoir par la suite, qui est une petite ravissante. They very often acted out events. Souvent, on mettait en scène des événements importants, parfois en relation avec une conquête récente. Par exemple, s'il y avait eu une guerre, au cours de laquelle un peuple avait été réellement conquis, elle était montée en spectacle dans les exhibitions. Et c'est bien tristement que ces populations devaient rejouer ce qui leur était arrivé dans la réalité. Il existait aussi un sentiment d'urgence de la part du public. Il fallait absolument aller voir ça, car c'était le spectacle du moment. C'était éphémère. En fait, ces exhibitions ne duraient pas, car elles étaient seulement montées pour quelques mois, et donc, si on n'y allait pas, on les ratait. Non seulement on ratait l'exhibition, mais on pouvait aussi rater ces populations. Car selon les exigences de la politique impériale, la nouvelle civilisation qu'on leur imposait les condamnait à disparaître, tout du moins culturellement. Ça devient l'événement du mois. Demain, nous allons voir les Africains, les Soudanais, les Nubiens, les Otantos, les fiers ou dangereux hindous qui vont être dans notre municipalité. Et on y vient de loin pour les voir. Car la promotion, la rentabilité du village est quand même le moteur. N'oublions pas une chose, c'est que ces impresarios sont des privés. Ils montent leurs troupes, ils vont en Afrique, ils ont d'ailleurs très souvent un intermédiaire local avec qui on rassemble une centaine d'individus, femmes, enfants, adultes, vieillards. Toute une troupe est recrutée et des fois elle part pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans en Europe.
on montre des femmes à plateau. Mais comment elles sont venues, ces femmes à plateau? Vous les voyez là, sur le bateau, habillées. Quand on faisait venir une troupe, on prenait bien soin de mettre une femme à peine enceinte. Et la troupe venait en France, et quand il y avait la naissance, on marquait à l'entrée du village. Une naissance au village, on augmentait les prix et tout le monde était content. Avant, pour sa publicité, Hagenbeck faisait le tour de la ville avec les nouveaux participants arrivés à la gare. Comme on peut le voir sur cette photo, il les emmenait au restaurant ou au café. Il les conduisait en calèche ouverte au zoo. Pour les derniers spectacles ethniques, tout cela ne se faisait plus, car les gens arrivaient désormais habillés à l'européenne. Il n'y avait plus d'effet publicitaire et ce n'était plus une attraction dans les rues de la ville. Ces troupes ethnographiques circulaient en toute l'Europe au gré des contrats réalisés par leurs impresarios. Ces troupes étaient nombreuses, bien qu'elles comportaient en général peu d'individus. Et ces individus avaient évidemment beaucoup de valeur aux yeux de leurs impresarios. Tout ceci pour vous dire que finalement, ils étaient plutôt choyés et protégés. On s'intéressait à eux, on les soignait. Dès que l'un d'entre eux était malade, tout de suite on venait voir le docteur. Bien entendu, il y a des exemples très connus des années 1870, 80, 90, où on a découvert, comme les Indiens Galibi par exemple, ou des lapons qui ont été exhibés contre leur gré, dont certains sont morts d'ailleurs en exhibition comme à Paris ou à Amsterdam, soit de la variole, soit de froid. Mais pour la plupart des cas, ils étaient sous contrat, ils étaient rémunérés. Mais attention, replaçons-nous dans le contexte colonial de l'époque. Les notions de contrat sont rarement à caractère individuel. C'est bien souvent plutôt à travers un intermédiaire ou un chef de village. La notion de rémunération est à mettre entre guillemets, puisqu'on constate que c'était des rémunérations, on va dire, de nourriture, d'hébergement, et que les conditions de travail, par exemple, étaient très souvent sujettes à débat. Dans la société Hagenbeck, le logement, le ravitaillement et l'assistance médicale des participants aux exhibitions étaient réglés par contrat. Si possible, ils étaient logés dans des habitations indigènes où ils devaient aussi se produire, si la météo le permettait. C'était simple quand il s'agissait de logements mobiles, comme les yourtes d'Asie centrale. Sinon, on essayait d'emmener les matériaux pour reconstruire des logements sur le lieu de la représentation. Les troupes sont payées, les gens se battent au portillon pour venir en France. Sur le contrat, ils étaient payés. Est-ce qu'ils ont été payés? Ça, c'est autre chose. Et ils savaient qu'ils jouaient la comédie. L'exemple le plus extraordinaire, c'est en Suisse, vers 1915 à peu près, les exhibés se mettent en grève. Parce qu'ils ne sont pas payés, ils ne veulent plus jouer les méchants. Alors ça discute, et l'impresario perdait beaucoup d'argent. Alors il a accepté de les payer, et ils ont rejoué les méchants. Certains parlaient un français impeccable, mais devant les gens, ils parlaient petit nègre, parce que tout le monde comprenait. Nouvelle preuve de ces manipulations. Le nom des troupes et des villages change selon les pays où on les produit. Actualité coloniale, mode, demande des visiteurs, budget des impresarios transforment ici et là un groupe de Sénégalais en Togolais ou de Birmans en Javanais. On va même jusqu'à inventer de toutes pièces une population, les bientôt célèbres Niam Niam. Puis en traversant l'Atlantique, ces mises en scène vont obéir à d'autres objectifs. La jeune nation américaine est en pleine construction. Et entre 1876 et 1915, dans toutes les expositions qu'elle organise, des sauvages sont présents, en particulier pour assigner une place à ses propres Noirs et Indiens. Des mesures américaines obligent, l'exposition de Chicago de 1893 fera des centaines de victimes parmi les milliers d'exhibés. An exposition that it's important to think about
Une des exhibitions les plus marquantes fut celle qui mettait en scène, dans un seul spectacle, des Américains blancs, des Indiens américains, ainsi que des représentants du monde entier. Je pense ici au spectacle de l'Ouest sauvage, lors de sa tournée en Europe. Il est essentiel de le prendre en considération, car c'était une entreprise réellement privée qui a essayé de représenter la nation américaine avec ses diverses composantes raciales. Ce spectacle, ainsi que le but de cette exhibition, participait à la création d'un État-nation moderne, et c'est une donnée incontournable. Ce sujet requiert toute notre réflexion et la chronologie aux États-Unis prend ici toute son importance. Rappelez-vous l'histoire américaine. La guerre civile en 1865. L'exposition de Chicago en 1893. Même si d'autres foires ont eu lieu avant Chicago, celle-ci a été un élément vital dans la formation de l'État-nation américain. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire européenne, mais je devine que cette chronologie est également importante pour penser à la manière dont nous représentons les autres quand il s'agit de la création de l'État. Les États-nations, qu'est-ce que c'est ? C'est la création d'une communauté nationale, par définition, beaucoup plus large, donc qui doit prendre des référents identitaires communs à toutes les fractions, à la fois sociales, culturelles et communautaires, qui composaient cette nation auparavant. Donc, on voit bien que dans la dénonciation, entre guillemets, en tout cas dans la monstration d'une espèce de barbarie africaine, si je prends cet exemple-là, si je prends l'exemple des populations d'Afrique noire, il est bien évident que ces populations sont très fortement dénigrées et vont servir de référent négatif dans l'identité collective en formation pour les Européens et pour la France en particulier. It is an interesting fact. Il est intéressant de noter que ces exhibitions ne montraient pas uniquement des villages venus d'outre-mer, d'Afrique ou d'Asie, mais également d'Europe, voire même du pays où se tenait l'exhibition. Par exemple, en Grande-Bretagne, il était possible de voir un village irlandais, ou plus particulièrement, un village des Highlands écossaises. En France, on pouvait voir des villages corses ou suisses. Par conséquent, ces villages étaient élaborés afin de montrer de quelle manière nous étions passés à un nouveau monde, c'est-à-dire à celui de l'industrialisation et à ce qu'on pensait être la civilisation. Mais à la suite de cela, des exhibitions sont aussi apparues dans beaucoup d'autres pays, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, au Canada, et même en Inde. Elles étaient devenues en quelque sorte des rites de passage vers le monde moderne. Elles montraient comment les lieux où elles se tenaient, souvent dominés par la colonisation blanche, avaient rejoint le système mondial et international de la modernité. Et une culture coloniale de masse, les Ouïghours, ce n'est pas un phénomène anecdotique. Ce sont des millions, des dizaines de millions de visiteurs dans toute l'Europe et aux États-Unis. C'est donc bien un phénomène majeur dans la construction des mentalités. Il faut bien comprendre que les Ouïghours, c'est pratiquement la seule rencontre avec l'autre que les Européens peuvent faire à ce moment-là. Très rares sont ceux qui partent en voyage dans les pays exotiques. Donc cette culture coloniale va se construire sur ce premier contact, bien souvent. Mais cette construction d'un regard va être fondamentale dans la transformation d'un racisme qui jusque-là est resté dans les cénacles scientifiques, à un racisme populaire. We are in Wembley, in North London. Nous sommes à Wembley, dans le nord de Londres, là où l'exposition universelle eut lieu de 1924 à 1925. Ce stade avait été construit l'année précédente pour la finale de la Coupe de football. C'est également ici que prit place la grande reconstitution historique de l'Empire. Les exhibitions attiraient des millions de gens, dont le nombre dépassait toujours celui des habitants de la ville où elles se déroulaient. Par exemple, ici, à Wembley en 1924, il y eut 27 millions de visiteurs.
On a effectivement une transformation des zoos humains à travers les expositions coloniales. Cette transformation me paraît très importante à partir des années 1920. Donc, on a une sorte d'humanisation du dispositif. On a dans le village nègre les différents métiers qui sont représentés. On peut même parfois avoir des contacts avec les exposants, on peut leur parler, en tout cas on peut monnayer des objets, etc. Alors, deuxième raison de cette transformation dans les années 20, c'est bien sûr la transformation aussi de la politique coloniale. Une fois la conquête achevée, eh bien, le fait de montrer des indigènes cannibales, sauvages, barbares, etc., c'est finalement d'une certaine manière avouer l'échec de ce qu'on a présenté comme une mission civilisatrice. Or, ce discours ne peut plus passer dans l'entre-deux-guerres. Il faut qu'on montre au contraire que les indigènes, on est en train de les éduquer, qu'ils vont à l'école, qu'on construit des routes, des ponts, que la santé s'améliore. Bref, le zoo humain, à la fin des années 20, commence à faire tâche, si je puis m'exprimer ainsi. Il commence à faire tâche parce qu'il montre que finalement la mission civilisatrice ne remplit pas son rôle. Et c'est pour ça que le pouvoir colonial va interdire purement et simplement l'exhibition des zoos humains. Quittant son pays, un petit négro de l'Afrique centrale vint jusqu'à Paris voir l'exposition coloniale. C'était Nénuphar, un joyeux lascar. Pour être élégant, c'est au pied qu'il mettait ses gants. Nénuphar. Malgré la volonté affichée par les officiels de ne plus stigmatiser les indigènes, les chansons populaires et surtout la mésaventure survenue à un groupe de Kanaks prouvent que le public reste avide de stéréotypes dégradants. Convaincus de participer à l'exposition pour représenter la Nouvelle-Calédonie, une centaine de Kanaks se retrouvent en fait déguisés et obligés de jouer les cannibales au jardin d'acclimatation de Paris. À court d'argent, l'impresario qui les a bernés décide ensuite d'en louer quelques-uns pour une des dernières exhibitions humaines montées par les Hagenbeck, à Cologne et à Hambourg. Ce sera un échec commercial. Ultime avatar du zoo à la française, il faudra encore des mois pour que ces hommes, parmi lesquels l'aïeul du footballeur Christian Carambeu, parviennent à rentrer au pays. Ici, au musée des arts d'Afrique et d'Océanie, on voit bien cette transformation. Je crois qu'on la saisit vraiment dans son essence. C'est un vestige de l'exposition de 1931, la plus grande exposition du siècle. 8 millions de visiteurs, 32 millions de tickets vendus. Ce qui montre un peu la puissance d'attraction de la culture coloniale en France, mais aussi partout en Europe. À travers ce bâtiment, on saisit bien finalement qu'on n'est plus dans la monstration raciale de l'autre. Hein. On est dans une démonstration de force, finalement, de la plus grande France. Alors, ça ne veut pas dire que notre regard se transforme pour autant. Ce regard ne va pas disparaître parce qu'il y a transformation de la forme de la représentation. La structure du regard, qui est donc articulée quand même de manière fondamentale sur une inégalité finalement entre les Européens et les populations coloniales, et elle va se transmettre par d'autres formes. Les expositions coloniales, le théâtre, le cinéma, toutes formes de médias qui vont pérenniser en fait sous des formes, je dirais, adoucies, moins brutales, ces rapports inégalitaires. Finalement, les métropolitains qui n'ont jamais quitté leur terre auront une image du Congo uniquement par le truchement de symboles, uniquement par des formes, et le musée de Terre-Vivante va certainement jouer un très grand rôle dans la création de cet imaginaire. Quand on s'aperçoit qu'il y a très peu de Congolais qui viennent en Belgique, c'est parce que d'une part on le veut politiquement, mais d'autre part c'est qu'on n'a peut-être plus besoin d'eux pour défendre des thèses. Le cinéma, la photographie dans toutes ces évolutions, tout cela va remplacer la personne réelle. Et le côté imaginaire, mythologique, va s'exprimer sous forme de statues, de dessins, etc. And it is interesting that these phenomena. Il est intéressant de remarquer que ces phénomènes se sont transmis dans les nouveaux médias, comme le cinéma. Il est indéniable que les premiers films hollywoodiens se sont inspirés de ces spectacles indigènes et de leurs villages reconstitués. Pendant la période de l'entre-deux-guerres, il y a une véritable tradition du cinéma d'aventure outre-mer. Il s'agissait en quelque sorte de western coloniaux. Après la Première Guerre mondiale, les spectacles ethniques reprenaient tout doucement, mais plus jamais ils n'atteindront leur prospérité passée. Je crois que ceci est lié en grande partie au cinéma,
qui leur faisait de la concurrence. Donc d'un côté, c'est le film qui marqua la fin des spectacles. De l'autre côté, et c'est indiqué par la date de 1932, le début du régime nazi semble aussi y avoir participé. Cela ne correspondait pas à leur vision raciste du monde, surtout par rapport au contact qui se crée entre le public et les participants des exhibitions. Soyons clairs, ce que l'on montrait dans ces villages, c'était aussi des corps humains. On les montrait vêtus de costumes traditionnels ou bien dans un état de quasi-nudité. Cela était, à mon avis, très ambivalent. D'une part, ces corps représentaient l'état sauvage et primitif, mais d'autre part, ils représentaient également la beauté et un érotisme des plus troublants. Les femmes indigènes étaient d'excellentes danseuses et de plus très séduisantes. Leur poitrine était souvent dénudée, ce qui était interdit dans la culture occidentale, et donc les hommes qui allaient les voir éprouvaient des sensations érotiques. Cependant, ce qui était peut-être encore plus troublant étaient les effets que cela avait sur les femmes blanches. Beaucoup des individus exposés étaient des hommes, souvent présentés dans des scènes de lutte, et dans un état de quasi-nudité pour la plupart. Les Zoulous d'Afrique du Sud, par exemple, étaient renommés pour leurs corps magnifiques. De ces hommes se dégageait, pour ainsi dire, un trouble d'ordre sexuel. Les femmes blanches observaient ces hommes qui remettaient peut-être leur sexualité en cause, et dans une certaine mesure, elles pouvaient même ressentir un certain manque sexuel. Il y avait un côté qui faisait frissonner le bourgeois, c'est que les filles étaient dénudées. Ce qui était terrible, c'est qu'on les forçait à se dénuder. Les petites jeunes filles qu'on voit habillées ici, comme vous voyez, et puis exactement le même groupe, les filles sont nues, avec le même numéro dans la carte postale, ce qui prouve donc que c'était interchangeable. À chaque fois, on retrouve le corps, mais un corps qui est mis dans des postures différentes. Le matin, ils étaient au jardin d'acclimatation. Les anthropologues venaient les mesurer. L'après-midi, le public venait les regarder. Et le soir, leurs impresarios signaient des contrats avec des cabarets, comme les Folies Bergères, qui exhibaient des troupes d'Africains sur scène. Jusqu'à la fin du 19e siècle, en dehors de quelques rares exceptions, les acteurs noirs n'existaient pas. Voilà qu'avec l'arrivée donc des démonstrations zoologiques, des exhibitions, on va avoir une réalité du corps noir et tout d'un coup, évidemment, une autorisation à la fascination et au plaisir du regard. Il se trouve soudain que les spectateurs ont donc tout loisir de pouvoir s'abîmer d'une certaine manière dans l'altérité, dans cette image différente de soi. Seulement, on s'aperçoit que, bon, évidemment, on ne les considère pas véritablement comme des hommes, ou tout au moins, on justifie ce regard voyeur en se disant « mais ce ne sont pas des êtres comme nous, pleinement humains ». Ce qui est étonnant, c'est que nous sommes ici en présence d'une sorte de paradis perdu, avec l'image du noble sauvage et d'un Éden tropical peuplé de gens superbes. Mais en même temps, tout cela reste lié à des sentiments de peur et de gêne. Sauvagerie et érotisme forment ainsi un mélange puissant. Joséphine Baker arrive en 1925 avec la Revue Nègre. Nous sommes au Music Hall des Champs-Élysées
Et finalement, cette arrivée qui sera vraiment étonnante, qui va emballer le public parisien, a été préparée par tous ces spectacles qui, dans les années 20, évoquent l'Afrique, montrent des acteurs dansants, donc Habib Benglia ou Aïcha. Et Joséphine Baker donc, apporte une plastique tout à fait nouvelle, mais aussi une gestuelle nouvelle. C'est très important de parler aussi de la gestuelle nègre, parce que ce que l'on découvre dans le musical à l'époque, c'est non seulement une liberté du corps parce qu'il est nu, mais une liberté aussi des mouvements. Dans la presse de l'époque, dans les comptes rendus du spectacle, on insiste énormément sur les gesticulations, le trémoussement de Joséphine, le fait qu'elle fait des grimaces. Certains s'en indignent, elle fait trop de grimaces, comment elle ose bouger pareillement. On insiste sur sa souplesse, elle est très souple, on parle de liane. Dans ce que certains appellent, je crois, la fascination du corps sauvage, que l'on présente parfois encore avec des traces de ce regard colonial, raciste, imbibé d'une hiérarchie, eh bien, je crois qu'il y a une double fascination. Il y a d'abord la peur. Je crois que les racistes sont d'abord des gens qui ont peur des autres. Ce corps sauvage, après tout, il est beaucoup plus costaud que moi. Alors, je le regarde, bien entendu, il me fait peur avec ses grandes dents, il va me mordre, mais en même temps, si seulement j'avais des biceps comme lui. En rasant les monuments élevés à la gloire du rêve colonial pour l'exposition de 1931 au Bois de Vincennes, c'est plus qu'un décor de carton-pâte qu'on fait disparaître. On efface surtout, et pour longtemps, les traces du dernier des grands zoos humains du XXe siècle. On les a bannis de notre mémoire collective car ils constituent la preuve la plus visible des mécanismes du racisme populaire en Occident. Alors, qu'en reste-t-il? Aujourd'hui, c'est dans les caves devenues inaccessibles des grands muséums mondiaux que les corps de nombreux spécimens morts en exhibition attendent que justice leur soit rendue. Le problème des collections anciennes, c'est qu'il y a dans ces collections, que ce soit d'ailleurs des collections artistiques ou des collections scientifiques, des objets d'origine scandaleuse. Dans les collections biologiques, anatomiques, il y a des pièces humaines qui ont été récupérées dans des conditions mais parfaitement inhumaines, contraires à notre éthique et à notre morale actuelle. J'ai par exemple interdit tous les tournages dans les réserves du laboratoire d'anthropologie du Musée de l'Homme parce que c'est un endroit à sensation, parce que c'est un endroit où l'accumulation de squelettes quand on ouvre les portes des armoires fait un décor très, très étrange, très inhabituel, c'est une sorte de train fantôme. Je crois qu'une, peut-être, ce serait encore une des raisons qui ont poussé les conservateurs dans les musées à porter tout leur intérêt sur les objets en les détachant le plus possible des individus qui les avaient créés, des artistes ou des artisans et des personnes qui les employaient. Et peut-être que les objets ne répondaient pas. Et si on veut placer ça dans une relation de continuité avec les expositions coloniales où on exhibait des Congolais, on peut imaginer que l'objet ou le masque, l'objet d'art africain, vient substituer le sauvage dans la collection. Il est bien évidemment plus facile de collectionner des statuettes que des sujets coloniaux. En plus de ça, je trouve extrêmement bien que le musée du Quai Branly soit sur la place d'un village colonial du passé, parce qu'on pourra déjà voir dans ce musée que les habitants ont disparu. Serait-ce pour faire oublier leur origine douteuse qu'on s'empresse maintenant de rendre quelques corps, parmi lesquels le plus symbolique, celui de la Vénus Hottentote, de son vrai nom Saadji Bartman. Son odyssée préfigure celle des zoos humains.
Exhibée entre Londres et Paris au début du 19e siècle, son anatomie fascinera les savants après son décès en 1815. Trophée de la science, le moulage de ses formes trônera dans le hall du Musée de l'Homme jusque vers 1970. Et ce n'est qu'en 2002 que la France restituera sa dépouille à l'Afrique du Sud, qui, avec le président Thabo Mbeki, lui rendra un hommage solennel et national.